Donc je rappelle, le Joe, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. D'accord ? Le Joe, ben, on a deux côtés. Et le Joe, il doit vivre, il doit être libre. L'autre ne doit pas savoir si je vais frapper par le haut, si je vais frapper par le bas, d'accord ? Si je vais frapper en rotation, en ski. D'accord ? Donc il faut que le Joe soit le plus libre possible. Donc, et pour ça, en fait, dès qu'on le lève, dès qu'il est dans les mains, en fait, il faut qu'il soit. On n'a jamais les mains vraiment fermées dessus. D'accord ? Et quand on propose un bout contrôlé. C'est-à-dire que ici, je fais glisser ma main avant pour lui proposer juste le bout qu'il me faut. D'accord ? Et donc lui, il va prendre le bout. Et moi, je vais faire un copinage. Donc pareil, c'est exactement le même principe qu'on vient de faire. Et là, c'est pareil. Faites attention, si ici, vous le laissez s'installer et qu'après vous dites, même avec le levier, je vais y aller, ça reste force contre force. Vous avez un avantage, certes, mais ça va quand même être force contre force. Donc, pour que ça puisse marcher, il faut tout le temps le garder ici, aux aguets. Et pour le faire, je vais utiliser la rotation du bâton lui-même. Donc je lui propose le bâton, mais en même temps je commence à tourner, je tourne, et je tourne, et je tourne. Et ça le maintient dans un état de flux qui va l'empêcher de se stabiliser sur le bâton. Parce que si je ne fais pas ça, même si je suis dans les temps, il va réussir à contrôler le bâton. D'accord ? Donc, je lui propose, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et une application Aikido de ce mouvement-là, en fait, c'est le Gekko-Rami, ici. Et là, on a notre. Comme ce qu'on vient de faire au bâton. Donc, on le maintient toujours sur ses orteils, hein, comme on dit en allemand. Ici, 1, 2, 3, 4, après on revient ici. Et là-dessus, j'ai mon tour. Et donc, essayez de retrouver un petit peu la même sensation qu'on bâton. Donc, je tourne, je tourne, je tourne, et je tourne. Donc, il attaque en chemin. D'accord ? Donc, on est en chemin ici. D'accord ? Et donc là-dessus, en fait, je le relâche et je coupe vers le bas, il revient vers moi, je coupe vers le haut, d'accord ? Et je recoupe vers le bas pour revenir ici. D'accord ? Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Ça. Donc on a ici, donc ici, 1, 2, 3, 4. Ok ? Vous voyez les coupes ? Non. Donc ici, 1, 2, 3, 3, 4. Ok ? Et donc là, on voit que, ici, notamment, ici, 1, 2, je ne peux pas faire ça. Parce que là, je suis mort. Mais que, ici, 1, je reste devant. Je reste toujours, je maîtrise, en fait, lui, il a son as. Je l'emmène ici, pour couper là, pour venir là, pour couper là. Ok ? À chaque fois, je maîtrise cette ligne que je crée, cette nouvelle ligne. Donc, on n'est pas sur la ligne d'origine, hein, parce qu'ici, je recrée une nouvelle ligne. Là, on va le faire un peu plus pas à pas, d'accord ? Donc, on est d'accord que tant qu'on était au sabre, j'étais ici, d'accord ? Et quand il attaquait, je venais ici, d'accord ? Au bâton, ça sera un peu différent. C'est-à-dire qu'ici, en fait, je ne peux pas simplement aller chercher un truc comme ça. Ça, c'est pas possible. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais couper et chercher. Donc, ici, je cherche avec la main arrière, ici. Là, 1, 2.
D'accord ? Donc, une, je coupe ici. Une, deux. D'accord ? Ici, dès qu'il arrive, une, deux. Je change. Genou. Sept. D'accord ? Et je rentre. Ok ? Donc, on va faire tous avec un bâton contre Romain, hein, et je le remonte ici. Donc ici, une, deux, genou, sept, et je retourne.